Et salut les amis, c'est Maxinas. Je viens de vaincre cet enfoiré d'invaincu là. Et qui est-ce qui est vaincu là, mon pote? Ah putain, désolé, j'ai la rage contre lui, il m'a tué. Vous l'avez pas vu, mais j'ai retenté encore une fois. Donc bref, j'ai fait 3 autres tentatives en gros. Parce qu'évidemment, ça me faisait recommencer de là à chaque fois où vous l'avez vu. Précédent épisode, attends. Mais enfin. Maintenant, il faut que je déverrouille l'accès du zénith. Je dois d'abord. J'ai dit que je commençais immédiatement quand on aura buté ce mec là. Voilà, ça y est. On a le compteur d'activé. C'est parti. Maintenant, on donne l'accès à la salle d'observation zénith. On va à la salle d'observation zénith. Continuant de péter les gueules au passage, parce que je commence à avoir la rage. Commande de l'ascenseur. Putain, ça nous amène jusqu'où votre histoire là? Neutraliser la centrale électrique Kert, d'accord. Je sens que ça va être costaud là aussi. Même pas? Vous foutez de ma gueule, y'a aucune sécurité? Non. Ils ont quand même pas osé. Ils ont laissé l'intégralité de leur salle sans protection. Même pas une pauvre tourelle. Bon, la base est déconnectée. Pas seulement la base, regarde. Merde, attendez, recommandation, pitié. Regardez en bas. Regardez en bas. Attendez, voilà le conteneur. Et quoi? Et c'est quoi? En tout cas c'est grand. Mais d'accord, oui, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a désactivé en fait? On a désactivé la base, ok, mais c'est quoi les trucs en bas qu'on a désactivé aussi? C'est des panneaux solaires, qu'est-ce que c'est? Bon, ils ont pas l'air de vouloir en discuter plus. Bon, ben, on va remonter, hein. Ils sont toujours là, les copains? Ah oui, ils sont toujours là. Oh putain, ça m'a fait remonter direct ici. D'accord, parfait. Et du coup, ben donc c'est bon ou... Merci, moi je pars de... Voilà la map. Ok, ça nous a fait... Ah d'accord, il y a une nouvelle quête à aller chercher justement. Ok, parfait. Par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher cette quête là. Comme ça on descend pour aller rejoindre ça, créer la base, aller chercher la nouvelle quête et continuer le truc. C'est parti. Du coup, on ressort d'ici et on va chercher notre petit nomade qui nous attend là-bas. Quoique si je saute d'ici... Est-ce que la base est pas trop loin de là où je suis? Ouais, elle me paraît même carrément à côté en fait. On va bien voir. Ah mais je crois que je sais que... Ouais, si, ouais, si je saute de trop haut, ça... Ouais, c'est pas grave. De toute façon, je crois que c'est genre de mission, donc du coup, ça doit pas compter. À tous les coups, ça doit faire que l'autre fois là. Cette base n'est plus qu'une coquille vide. Recharge vos boucliers! Restez sur vos gardes, on ne sait jamais. C'est si calme depuis la mort de l'invaincu. Ah putain, c'était il y a quelques secondes. Ça fait même pas quelques minutes qu'il est mort, on a déjà foutu en l'air toute leur base les gars. Oh mais vous craignez les gars, mais vous craignez. C'est monstrueux. Enfin, attendez. Ce qui est bizarre en fait, c'est qu'on a plein d'objectifs de quête, des machins, et pourtant le stade de pourcentage de viabilité en fait, il augmente très rapidement à 100%. Donc je comprends pas pourquoi il y a. Pop, non, non, non. Ah, je me suis fait mal. Non, oh non, 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 non. Ah non, 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 vous me faites pas tout recommencer. Ah non, 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 non. Ah, merci. Je pense en avoir marre. Oh, et toi, fous-moi la paix. Tiens, ah, voilà. Dédommagez-vous avec ça. Oh, mais c'est pas vrai, non mais... Ah, j'ai eu peau. Oh, putain, notre personnage est quand même mort. Mais laissez-moi partir. Je veux jouer. Laissez-moi jouer.
En fait, c'est quoi? Il y a encore une sulfateuse en bas, c'est ça? Merci. Ah non, c'est ces putains de tourelles. Oui, bah... Allez hop, ciao. Moi je me tire. Vous êtes bien loin de tout vous, petite brebis. Petite brebis? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a du travail pour vous. Rendez-vous à mes coordonnées si vous pensez être à la hauteur. Mieux vaut ne pas le faire attendre, petite brebis. Arrêtez ça tout de suite. Allez, ça va être rigolo. Petite brebis, tu vas voir quand je vais te trouver toi. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On a un point d'interrogation. Ah c'est... oui. Mais on s'en cogne totalement. C'est merde, c'est au-dessus. Je crois qu'on pourra pas l'obtenir. Ouais, je crois que c'est... oui, mais... tant pis, on l'obtiendra pas. Du coup, on va aller là. On pourra aller faire toutes les autres quêtes et choper la balise. Tiens, c'est pas juste un passage. Des bestioles autour de nos caisses perdues, comme la fois précédente. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. De nuisibles en vue, mais on dirait bien que ces caisses aussi ont été complètement vides. Pionnière, un examen approfondi des zones de ravitaillement a révélé une source possible pour la modification des données de livraison. Bien, on a les coordonnées d'une planque. Allons voir qui s'est donné au... Autant de mal pour le vol. Autant de mal pour un vol. Destination ajoutée, pionnière. Je serai pour aller là. On va y aller comme ça, hein. Bah ouais, mais non, c'est par où on grimpe là? Par où est-ce que je peux monter? Ah, je crois que... bah non, ça se rejoint pas, pas du tout. Absolument pas. Du coup, mais comment on fait? Putain, ça, ça m'agace, qu'ils nous mettent au moins une route possible sur la map là. Parce que là, je ne sais pas du tout où il faut aller, quoi. Là, je vais glisser, bah oui. Penses-tu? Évidemment, ça me reste même pas. Hein. Que dalle, démerde-toi. Bon, c'est pas grave, allez. Voilà. Alors. Du coup, on va respecter le repère. Il est en haut. Hein. Je vais vraiment commencer à casser les gueules là par contre. Sans déconner, comment je fais pour monter? Voilà. Ouais, pardon. Voilà. Eh ouais. On va faire tout à des tours de rien. Ça a été tellement simple pour nous faciliter la tâche. Ça non, ça serait mal vu, je pense. Fais un geste ou on tire, pionnière. Si vous êtes bien ceux qui ont essayé de dissimuler les vols de matériel, je pense que vous préférez éviter l'affrontement. Baissez vos armes et on pourra discuter. Bordel de merde. C'est bon, venez. On charge mes armes quand même au cas où. Vous avez bien fait d'accepter de discuter. Mais vous êtes... On lui tourne le dos là. Comme vous l'avez dit, vous pouvez faire de mal à personne. C'est pour ça qu'on est revenu ici. Vous voulez pas être dehors la loi. On a de la famille. C'est ridicule. Et on pensait qu'on serait pas les bienvenus. Là n'est pas réputé pour sa clémence. Pas qu'on la mérite, mais bon. Votre situation. Comment vous avez fini comme ça? Quoi? Exilé? On n'avait plus d'espoir. Vous pouvez comprendre, on était tous convaincus qu'on allait mourir.
Vous ne pouvez pas rester là, vos crimes. Vous admettez être des criminels. Est-ce qu'on avait le choix? On aurait signé notre arrêt de mort si on était rentré. Mais on ne pouvait pas continuer comme ça. On n'est pas des pirates. On est venu ici pour construire quelque chose. On pouvait juste vous regarder le faire à notre place. C'était toujours mieux que rien. Vous ne pouvez pas rester là. Ça ne peut pas continuer. Vous devez bien vous en douter. On n'a pas l'intention de continuer, pionnière. C'est juste qu'on... on a essayé quelque chose et on s'est bien planté. J'ai connu mieux comme justification. C'en est pas une. On a eu peur, on a déconné. Et on le regrette. On est peut-être stupide d'être venu ici. Mais on veut croire qu'il y a un moyen de rompre. Dégagez de ma planète. Ça c'est classe. Mais non, allez à Prodromos. Vous voulez qu'on vous donne une chance ? Tan serait peut-être contre, mais il n'est pas là. Vous pensez que ça peut marcher? On nous acceptera? Prodromos n'est pas du genre à refuser l'aide qu'on lui offre. Je ne sais pas quoi dire, pionnière. Comment vous remercier? En vous mettant au travail. Dénoncer les contrebandiers? Mais non, je veux les aider. C'est juste des pauvres gars, c'est bon, ils ont tué personne, quoi. Enfin, donc, on va faire tout le grand tour pour aller faire cette quête-là. Alors, on va aller chercher et déclencher un souvenir de ça. Sam, un autre déclencheur de souvenirs ? Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. On va faire en sorte de rester le plus haut possible comme ça. Voilà, c'est bon. Écartons d'un camp. Prudence, Ryder. C'est les bon, voilà. Mais non, ils sont pas là. Ils sont pas là, on les a pas vus. Je crois que c'est bon. Voilà. Remarque, non, ça sert à rien de remonter, à mon avis. Ouais, voilà. On va se téléporter, ça va être plus rapide que faire tout le tour. Et ben voilà, ça commence à prendre forme cette histoire. Il nous aura quand même fallu un bon paquet de parties pour faire toutes ces foutues quêtes. Les dunes ne tiennent bon. Les trouvailles du maire, parce qu'il faut qu'on tienne bon. Politiciens, toujours plein de bonnes idées. Ouais, ça me rappelle un petit peu le... Oula. Notre ami nous appelait depuis un bon carrière. Qui vous dit que c'est un même? Eh ben, regardez qui voilà. Génial, qui non mais... C'est pas aussi impressionnant que de raser une base entière, mais ouais, c'est moi. Je m'appelle Massani. La chasse au Kert, c'est mon passe-temps. Massani. C'est pas le nom de notre pote chasseur de primes ultra violent et ultra moche là dans Mass Effect 2? Le mien aussi. Putain, il me semble que c'est lui. Non mais non, c'est pas lui, lui, ça va être son fils, oh, son frère, je sais pas. C'est l'endroit idéal pour ça. Cette planète est un aimant à Kert. Je les traque, je marque les endroits à cibler. Vous avez détruit la fourmilière, mais les fourmis rôdent toujours. Si vous voulez protéger votre avant-poste flambant neuf, vous avez intérêt à les exterminer. Je ferai tout ce que je peux pour défendre Prodromos. Ravi de l'entendre. Je transmets les coordonnées à votre Omnitech. À terme, il faudra détruire la fourmilière, leur base principale. Mais vous n'êtes pas encore prête pour ça. Pas de risque, ça ne me fait pas peur. Oui, ça me fait. Je suis prête. C'est du suicide. Mais bon, aussi stupide soit-elle, c'est votre décision. Bonne chasse, pionnière. Votre passé. Vous n'étiez pas enfin, j'aimerais bien de lui parler. Dans la Voie lactée. Non, je bossais pour une boîte de sécurité. Ça payait bien, mais c'était chiant à mourir. Un pote m'a parlé de l'initiative. J'ai sauté sur l'occasion de partir à l'aventure. Vous avez amené de la famille? Sûrement pas. Ma mère est morte quand j'étais gamin. J'ai jamais connu mon père. D'accord. Paraît que c'était un grand mercenaire. Voilà, c'est bien dit. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a donné son nom et rien d'autre. C'est déjà pas mal, hein.
Attends, je veux voilà, je veux d'abord lui parler. Comme il est où? Voilà. Je veux voir sa gueule. Sacrée journée, hein? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Massani retournerait dans sa tombe. Ah, oh, même lui, il était moche. Bah alors là, mon pauvre. Bon, enfin, votre arrivée sur Eos. Vous n'êtes pas venu sur Eos avec l'équipe de Bradley? Non, je fais partie des affreux exilés de Tan. J'ai quitté le Nexus après la révolte. Depuis, je me balade de planète en planète pour chasser les Kert. Votre haine des Kert. Personne n'aime les Kert, mais vous, vous avez vraiment l'air de les haïr. Que voulez-vous? Je suis un esthète. Alors quand je vois des mochetés pareils... La révolte... Pourquoi vous avez participé à la révolte? J'ai pas aimé leur façon de jouer aux dieux, à décider de qui ils se réveilleraient quand. Alors j'ai joué aux mutins, et quand ça a mal tourné, je me suis barré. Vous ne vouliez pas rester avec les autres exilés? Honnêtement, la plupart sont des connards. Et je dis pas ça affectueusement. Ok. Les cartes. Qu'est-ce qui attire les cartes sur Eos, à votre avis? D'après mon expérience, ils vont là où se trouvent ces structures bizarres. Je sais pas du tout pourquoi. J'ai arrêté d'essayer de les comprendre. C'est plus facile de leur coller une balle dans le crâne. Ok, bon. Et à plus tard. Faites attention à vous, Massani. C'est le but. Bon, donc Massani a eu un fils. Ah, je me doutais bien. Il a jamais connu sa mère, donc... enfin si, oui, non, il a sans doute couché avec une femme et... basta, quoi. Merci, au revoir, quoi. Ce serait bien le genre Massani. Donc ouais, Massani est un personnage qui nous accompagne dans Mass Effect 2. On le revoit dans Mass Effect 3, à travers quelques DLC, des passages à certains endroits, etc. C'était un putain de mercenaire, un putain de gros dur. Alors, détruire la caserne, détruire un général... Ouais, on sait qu'un peut-être établi. Ok, d'accord, très bien. Bah écoutez, bah, on va défoncer d'abord le truc à côté de nous. On est juste à côté, c'est magnifique. Putain, j'ai horreur de ce truc-là. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un bug de texture ou... Ça ne peut pas être les seuls générateurs apportés par les Kert. Compte tenu du grand nombre de Kert sur Eos, je ne peux qu'être d'accord avec mon prisonnier. On va continuer à les neutraliser au fur et à mesure. Allez, maintenant on va à la caserne. On est pas seul. Ah, c'est le bâtiment qui est en haut là. Ouais. On n'a jamais été seul. Ça, on l'a pris lors du premier contact. C'était quand même bizarre de savoir que Andromède est une galaxie qui existe. Après les planètes, je ne suis pas sûr, mais enfin j'imagine qu'ils ont quand même pas choisi au hasard. Ce serait quelque chose que j'aimerais bien vivre, ça. Une vie qui n'est pas seulement notre planète. On arrive à la caserne. Merde. Restez sur vos gardes. Il devrait y en avoir moins qu'à la base. Mais c'est pas une raison pour foncer tête baissée.
salope. Oui, salope, oui. C'est le bon terme. Oh, stop, s'il vous plaît, ramenez-moi en face du bâtiment. Bon, ça pourrait être clair. Voilà, je pense que c'est quand même des feignasses là. Hein. Franchement, ils auraient pu nous mettre en haut. Quitte à mettre un checkpoint. Franchement, même là, là. Non, il fallait nous mettre en bas, nous faire monter la butte. Vous savez quoi d'ailleurs? Parce que vous êtes chiant. Et ben je fais ça avec vous. Putain. Bane, on arrive à la Ah merde. Restez voilà. Sur vos gardes. Vous devriez en avoir moins qu'à la base. Mais c'est pas une raison pour foncer d'être blessé. Si. On les aura à la force brute. Ces enfoirés. Venez à la... Merde, non, c'est à l'intérieur. Père, toi. Alors, le terminal est ici. Je suis l'invaincu. Ce spécimen est différent. Exosquelette, composition à base de protéines, extrogènes. Vous n'avez pas posé de questions. Connaissez-vous la force exacte nécessaire pour arracher une plaque thermique? C'est bien ce que je pensais. Je n'ai aucun remords d'avoir tué cette ordure. Ouais, effectivement. Ça a pas l'air d'être le jôle rigolo, quoi. Bon, du coup on retourne le voir. Allez hop. Nomade. You. Bah tiens, ça tombe bien que tu sois dans le vide. On y va. D'une de tiens bon. Putain mais. Tu sais, il aurait pu être inspiré, genre des plaines, des légendes. Il y a beaucoup de personnalités éminentes dans ma famille. Notre nom est déjà une responsabilité en soi. Je ne voulais pas que ce nom trace ma route. Je voulais ma propre histoire. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, très bien. J'ai juste du mal à me représenter une famille aussi nombreuse. Et je n'ai même pas de frères ou de sœurs. Quoi? Et comment c'est possible? Pète un câble? Je ne sais pas. Demandez à mes parents. Bon, Massani. J'admire votre travail, pionnière. Je voulais vous remercier en personne. Sacré exploit d'avoir éliminé tous ces cartes. Et la base en haut, c'était beaucoup plus chaud, quoi. Enfin, il l'avait cherché. J'ai toujours du temps pour cogner du Kert. Une femme comme je les aime. Ah, tu Mais vous n'avez pas fait tout ce chemin pour que je vous lèche les bottes. Tenez. Votre récompense. Content de voir qu'il y a au moins une personne compétente sur le Nexus. Bon, bah plus tard, hein. Faites attention à vous, Massani. C'est le but. Donc qu'est-ce qu'il m'a filé? De l'XP? Foutez de ma gueule, c'est ça ta récompense? C'est mon point dans la gueule que tu cherches? Bon, enfin, bon, on va chercher la balise.
Les Kert ne peuvent pas s'empêcher de marquer leur territoire. On va débarrasser Eos de toute présence Kert une bonne fois pour toutes. Quoi que les Kert construisent, on peut le détruire. Attention, ça ressemble à une structure Kert. Eh non. Ça ressemble pas à une structure Kert. N'importe quoi. Ensuite, on va chercher la base qui est là-bas. Comme ça, on pourra se faire la dernière balise. Et on aura fini la quasi-totalité des quêtes secondaires. Voilà. Je savais qu'on l'avait pas celui-là. C'est drôle, j'ai l'impression de me trouver dans Pokémon Go. Reliquat droit devant. Attention, Ryder. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Attends, on va repasser devant la station. Les zones sont disponibles dans cette région pionnière. Je les ai ajoutées à votre système de navigation. C'est gentil. Enfin, du coup, on s'en va. Et on va chercher la dernière balise qui est là-bas au loin. Donc voilà, ça c'est les trucs, voilà, c'est ce qu'on voyait depuis, putain la vache, c'est hyper grand. Il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. C'est de la technologie Kert, Ryder. Merci, avec la couleur on s'en serait douté. On peut y aller là? Ah oui. Je crois que c'est bon. Alors, c'est quoi ces dunes? C'est dommage qu'ils aient pas trouvé le système de surchauffe. Je connais un... Il y a des endroits, des zones, je sais plus comment on pourrait appeler ça, mais en gros... ah, c'est pas là par hasard? Si, c'est ça. Le sable est tellement chaud que les pneus survivent pas. Il faut absolument les refroidir, ou des pneus spéciaux, le truc dans le genre. Et voilà. J'ai trouvé tous les drones. Plus de viabilité, c'est gentil. Et du coup, on va chercher ça. C'est pour scanner des minéraux. Ensuite, on aura fait toutes les quêtes. On va retourner ici pour rendre la quête ou faire je sais pas quoi. Bref, pour faire ce qui est à faire. Et ensuite... Ah bah tiens, niveau 20. Hors caméra, je vais m'occuper de toutes les zones, les trucs blancs. Je vais faire en sorte de tout compléter, quoi. Je vous expliquerai à la fin, ou à la limite, les deux derniers. Voilà. Je vous montrerai au pire. On verra bien. Hein, enfin, déjà, on se le dernier minéraux qui est ici. On verra après. Hein. Par contre, je sais pas si on doit vraiment buter les trucs là, parce que c'est, je trouve ça bizarre. Tiens, bon. Ça m'énerve ce nom. C'est tellement débile. Ça sonne faux. De la technologie Kert pionnière. Et voilà. Minéral non répertorié dans les environs pionnières. Et hop là. Un autre minéraux inconnu. Fait. Et comme ça, on a fait la quasi-totalité du truc. Il n'y a pratiquement plus de quête à faire. On va juste faire celle qui est ici. Voilà. Et pour ça, on se téléporte à Prodromos. Il me reste combien de temps? 1 minute. Eh ben voilà, on aura pile la vidéo pour compléter tout ce bazar. Hop là, excusez-moi, je me remets en place. Alors. Eh ben, ma souris, voilà. Ah, ils sont bien équipés, ils ont mis des tourelles et tout les mecs. Hein. Moi j'aurais mis des rampes par perso, comme dans Fallout. Non, c'est en bas. Dénoncer les contrebandiers. Mais pourquoi je les dénoncerais? J'ai juste de leur dire de venir. Rapport de ravitaillement, envoyé. Matériel volé par des hors-la-loi. Récupéré en partie, mais c'était pas beau à voir. Il va falloir faire attention.
Recommandation enregistrée, pionnière. Et ben voilà, d'accord, c'était tout. Y'a plus de quête. Y'a absolument plus de quête. D'accord, ah ben dis donc, ça a été rapide, si je puis dire. Bon, bah écoutez. Bah du coup, bah je pense que la prochaine vidéo que je ferai, je vais démarrer immédiatement. Ah ça y est, on arrive au bout de la demi-heure. Je vais me trouver toutes les caches. Vous voyez les caches, c'est pas important, franchement, vous pouvez le trouver, c'est très simple à faire. Non, c'est surtout cette histoire de zone minière, qu'il faut surtout que je récupère les trucs. Les fameuses tours de trucs, là je sais pas du tout ce qu'il faut faire, ce qu'il faut en faire, je ne sais pas. Les caches à trouver, les zones minières, voilà, bref. Mais enfin, ah voilà, c'est ça dont je parlais, les points d'intérêt. Donc du coup, je sais pas du tout comment compléter ça, je vais essayer de faire en sorte de les avoir. Donc mais voilà les amis, la prochaine vidéo, j'aurai fini, j'aurai tout bouclé. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao les amis.